Ce jeudi 9 juin, Britney Spears a célébré son mariage avec son cher et tendre, Sam Asghari, à Los Angeles. De nombreuses stars étaient présentes pour célébrer l'union du couple. Madonna était également présente. Les deux stars en ont profité pour se faire un geste d'affection, plutôt surprenant. Pour cette occasion, Britney Spears s'est révélée éblouissante dans sa longue robe de mariée signée Donatella Versace. Le mariage avec son compagnon de longue date, Sam Asghari, s'est déroulé dans leur maison de Southern Oaks, à Los Angeles. Parmi les invités, on a pu retrouver Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton, Will I.M. ou encore Madonna. Pour leur ouverture de bal, le couple n'a pas effectué une danse. En effet, la chanteuse américaine a préféré danser avec Selena Gomez et Madonna sur son célèbre tube Toxique. Britney Spears a même été photographiée en train de recréer avec Madonna leur célèbre baiser de 2003 aux MTV Video Music Awards. Un moment magique et convivial. Britney Spears et Paris Hilton ont repris le tube Star Are Blind de la star de télé-réalité pendant la fête. Les traditions sont passées au travers de ce mariage. La mère, la sœur et le père de la star américaine n'étaient pas présents, personne ne l'a donc conduite à l'hôtel. La cérémonie n'a duré que quelques minutes et s'est déroulée sous une tente ornée de lustres et de roses blanches et roses. Britney Spears s'est confiée au magazine Vogue sur son mariage, « Nous voulions vraiment en faire un beau moment avec la famille et les amis. Nous voulions des couleurs chaudes et féminines, notamment le rose pâle, le blanc, le beige et l'or, et beaucoup de nuances variées de rose et de rouge. » La star aurait même changé trois fois de tenue, selon Vogue, passant d'une mini-robe noire à une tenue bicolore puis à une mini-robe rouge, toute signée Versace. Le jeune couple s'est ensuite dirigé vers Rolls-Royce après la fête. La demande en mariage avait été faite par l'acteur et mannequin Sam Asghari, en septembre dernier. Britney Spears venait tout juste d'être libérée de sa tutelle de 13 ans. Mais leur mariage n'a pas été sans incident puisque Jason Alexander, l'ex-mari de la princesse de la pop, a été arrêté alors qu'il tentait de s'introduire au mariage. Rappelons-le, Britney Spears avait été mariée à lui pendant 55 heures en 2004.